Allez, prenez place. On va commencer. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Il va y avoir deux petits tirages au sort. On va d'abord faire le tirage au sort des jurés de Slamaster. Et alors, donc, il y en a qui sont déjà jurés d'office parce qu'ils n'ont pas de candidat en finale. Donc, ceux-là, c'est un Slamaster du Nord-Belgique, un Slamaster du Nord-Ouest, un Slamaster de Paris, un Slamaster du Maghreb. Alors, on n'a peut-être plus de Slamaster du Maghreb, mais si Abdallah, il est là... est-ce que t'es là, Abdallah? Bon, on va attendre, on va voir. Eliana, si tu veux bien faire jury, c'est pareil, Eliana, qui est venue d'Italie. Tu veux bien faire jury? Juré, pardon? Ouais? Ok, voilà. Alors, on peut déjà applaudir juré, très juré, fort on dit juré. Eliana comme première jurée. Oui, voilà. Juré. Donc ensuite, pour le Nord-Ouest, Ange, vous pouvez applaudir Ange du Nord-Ouest. Pour le Nord, c'est Hendrix. Vous pouvez applaudir Hendrix. Pour Paris, on a le choix, je crois, pour Paris. Alors, je regarde dans mon oreillette King Bobo ou Kamikaze. Lequel bouge le premier? J'ai vu Camille, de toute façon, donc ça va tomber sur toi, Camille. Ah, mais il se cache, On peut applaudir Kamikaze! Voilà. Donc ça voilà. Nous en fait 1, 2, 3, 4, 5. Et on va tirer au sort les autres alors. On va tirer au sort les autres. Voilà, tu peux dire autre chose? Ça fait très peur. Hein. Donc dans le tirage au sort, on a mis les Slamasters qui n'avaient qu'un seul candidat en finale. Il y en a qu'on en deux en finale, hein, les gourmands. Donc il n'y aura pas de Slam Master. Il n'y aura pas de Slam Master du centre-ouest. Ils ont déjà deux qualifiés. Pas de Slam Master du sud-ouest. Pas de Slam Master du centre-ouest. Mais vous pouvez les applaudir quand même. Ils ont fait un bon boulot chez eux dans leur région pour amener des super poulains. Alors, et d'ailleurs, en parlant de ça quand même, avant que ce week-end n'ait lieu, c'est-à-dire qu'on soit aujourd'hui et hier, on était hier, il y a quand même eu avant... Il y a quand même eu avant 60 scènes d'organiser avant d'en arriver à aujourd'hui, enfin, c'est-à-dire hier... soit à peu près 1000 personnes qui tentent de venir... ce week-end, ce qui est quand même magnifique. Et c'est là que je me rends compte que j'ai le rôle ingrat et je dois meubler pendant que lui, ça va, il a une occupation. Comment? Dors? J'ai pas mis mon clic-clac sur scène, donc je ne dormirai pas aujourd'hui. Je vais essayer de rester éveillé. Surtout que hier, on s'est fait bouler. Là, aujourd'hui, on a enfin une petite place et on va accepter un petit peu notre travail. Enfin, on est désolé si on est pénible. Je voudrais saluer Harmonie Tarée. Qui, là, il s'est découvert une passion pour les montres et le chocolat. Voilà. C'est nul. On n'a jamais dit que j'étais bon. Hein. On n'a jamais vendu la chose comme ça. Alors, voilà. Pour l'instant, on a combien de jurés? 4, je crois. Vous pouvez lever votre petite pancarte. On en a 4, c'est ça, hein? 1, 2, 3... Tiat, voilà, c'est ça. Tu vas en tirer un petit déjà? Et donc, ce sera le Québec qui viendra. Alors, un jury Québec. Eh bien, il reste Mathieu. Mathieu, t'es là, Mathieu? Tu veux bien faire juré, Mathieu? Tu veux bien être juré? Voilà, on peut applaudir Mathieu qui nous vient du Québec. On va prendre aussi un Slam Master dans les candidats africains quand même, parce qu'on avait 4 candidats africains. Alors si... Alors en fait, c'est des personnes qui sont venues du continent africain, donc c'est loin, tout comme le Québec. Et messieurs, dames, en fait, j'aimerais bien qu'on salue cette chose-là et qu'on salue les personnes qui font des kilomètres pour faire de la poésie. Merci pour eux. Jamil, est-ce que tu veux te jurer? Arrête, menteur.
Prouve-le. Alors, on peut aussi applaudir Jamil, qui s'est qualifié au Togo, au Mandingue, sur la scène de Maras, qui nous vient du Bénin. Mais plus fort, il vient du Bénin, vous n'avez pas entendu ? Alors... Et un petit dernier pour la route, attention, attention, le dernier juré de ce jury sera le Sud-Est. Mais vous êtes loin de les applaudir, le Sud-Est, oh là là. Ils ont ramené le soleil aujourd'hui en plus, quoi. Donc du coup, vous êtes bien 7 jurés, c'est ça? Vous pouvez relever les petites plaquettes, s'il vous plaît? Ah, t'as pas de plaquettes? Voilà. Alors, donc ça, c'est fait. Maintenant, on va tirer les... Voilà, ce petit gobelet-là. Nous allons tirer l'ordre de passage des poètes. Et au deuxième tour, ils passeront dans l'ordre. Merci pour les deux personnes qui voilà. Ne sont pas en phase digestive. 12 poètes, il n'y en aura pas d'éliminés à l'issue du premier tour. Les 12 poètes passeront au second tour. Et comme l'a dit très bien mon collègue Balumba, que vous pouvez applaudir, il est en forme aujourd'hui, vous pouvez l'applaudir très fort. La seule personne qui s'est levée est hypocrite. Alors, ouvrira ce bal non costumé, vous l'avez bien vu. Mesdames et messieurs, premier candidat, l'alchimiste, s'il vous plaît. Il sera suivi de 1000, s'il vous plaît. Ensuite, nous aurons Totouchka. Donc l'alchimiste qui s'est qualifié à Lyon, Mille qui s'est qualifié à Lausanne, Doudouchka à Poitiers. Et on continue avec... Et suspense, je ne sais pas qui c'est. Ah ! Et Cartouche, messieurs dames ! Cartouche qualifié à Rennes pour la Bretagne. Monsieur dames qualifié au Grand Est, à Strasbourg. Mais plus rapide que nous, Maras, il faut taquer. Doucement, Maras. Machinerie allemande, ça défonce. Ensuite, nous aurons Torsonours. Torsonours, qualifié à Bordeaux. Cocteau Molotov de Lyon. Il y a des Lyonnais ici, là. Vous êtes pas en terrain conquis, quand même. On va se calmer. Kiki F de Poitiers. Oh là là. Oh. Poitiers, c'est trop près, Poitiers. Hein. Ils sont chauds. Avec le gant, c'est pas facile. Et avec le petit doigt en l'air, encore moins. Hypnova, messieurs, dames. De Marseille. Ah, c'est pas si loin que ça, Marseille, on dirait, en fait, quoi. Jonel du Niger. Ah, le Niger a jamais été aussi près qu'aujourd'hui, là. Oh, putain. Grog. La scène pictave. Qualifié à Bordeaux. Et enfin... Jean-Maxime du Québec, s'il vous plaît. Rimouski. Ok. On rappelle les règles pour ceux qui découvriraient aujourd'hui.
Donc, 3 minutes 24 pour dire son texte, au-delà des points de pénalité. La musique s'arrête quand le slammer vient sur scène. C'est mieux, hein. Sinon, c'était vendredi soir. Il faudra revenir l'an prochain. Et donc, on va commencer pour chauffer le jury, traditionnellement. Mais le public, il est chaud déjà, là ? Non, vas-y. Non. Ouais. Il y en a une qui est chaude. Est-ce que vous êtes là, Le Mans ? Est-ce que vous êtes là, Le Mans ? Alors, on compte sur vous pour faire un maximum de bruit pendant toute cet après-midi. Parce que l'ambiance, d'accord, c'est les animateurs, même s'ils s'endorment. C'est les slammeurs, mais c'est aussi vous, en tapant des mains, en réagissant quand le jury est mauvais. Quand. On peut le dire. Donc, vous avez le droit de réagir, c'est un spectacle. Et vivant. Trois syllabes, c'est trop compliqué, on a arrêté. Vivant, ça passe. On enchaîne. Voilà, on enchaîne. On va sacrifier un premier poète qui a du gros matériel. Tous les ans, il en amène d'un plus en plus long. Et il le met bien sous nos yeux, sous notre nez. Je vous demande d'accueillir Machin Truc, s'il vous plaît. C'est clair. Je me rends compte d'un fait troublant. Non que je n'ai été prévenu. À cette époque, j'avais 30 ans. J'entends encore cet inconnu. Le quadra m'annonça direct, comme le glas d'un condamné, sans cacher l'ironie abjecte de cette phrase ainsi tournée. Vous le verrez, à 40 ans, une fois franchi le Rubicon, avec regret ou consentant, vous ne serez plus qu'un vieux con. Il prit exemple sur lui-même, ce que je ne puis que constater. Ayant fui bourgeoise et bohème, c'était un con reformaté. À l'époque, il m'avait fait rire, je vais pas me mouiller sous ton crachin. Jusqu'à ce que j'entende dire, c'est un sale con ce vieux machin. Là, ma cervelle ne fit qu'un tour, plus ne serait que gourmandise. Dès mon réveil, au petit jour, j'allais effacer cette méprise. On ne peut pas dire n'importe quoi, surtout quand ça vient des amis. Par ses propos inadéquats, je me sens victime d'une infamie. J'ai beau pourtant savoir y jouer, sans les paroles mais avec l'air, je pensais vraiment en être surdoué qu'en me fendant la gueule par terre. J'ai pris cette grave décision qui devait me rendre la face. Je suis allé acheter du savon. Se faire traiter de sale, c'est dégueulasse. Je suis un con propre au figuré, n'en déplaise à mes détracteurs. Vous plaire, j'en ai rien à branler. Mais je ne veux quand même pas faire peur. J'attaque donc ma métamorphose. J'aimerais bien retrouver mes potes. Du coup, je traque les ménopauses 15 ans après les couches culottes. Faut bien dire qu'elles se sentent à l'aise. À 40 piges, je dois bien être mûr. Le barreau doit être comme les chaises. Tant pis si je suis une enflure. Moi, je n'y vois que des bons côtés. Les jeunes, eux, ils savent pas y faire. N'y voyez pas de cruauté si, au fond, je leur rappelle leur père. Pour mes amis, c'est pas pareil. Là, je m'efforce d'être gentil. Je leur en mets plein les oreilles. C'est que je les aime, ces abrutis. Parfois, je demande pardon d'avoir des horreurs que j'aurais pu dire, avant d'offrir quelques chardons pour avoir su me contredire. Ça peut sembler un peu abstrait, mais vieux et sale sont des insultes distillées par quelques extraits de foutre séché qui se pensent adultes. Il m'arrive d'être moins bête que con, même si parfois je fais un peu ours. Je n'irai pas me jeter d'un balcon pour qu'on me prenne pour un bisounours. Je suis un vrai con par mutinerie, depuis un soir où déniaisé, j'ai fui toutes ces cancaneries pour ne plus jamais me faire baiser. Hop 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 hop! Machin Truc, s'il vous plaît! Le paparazzi de tous les bons événements slam, loin de chez vous. Le jury se prépare. Mais une note, alors là vous avez vu, on a monté un cran, on a fait un truc avec
des notes papier, tout ça, pancarte, propre. Vous salissez pas les mains, c'est écologique. Voilà, je vois que l'écologie vous passionne autant que moi. Allez, jury, Alain ! Alain ! Et Alain ! Bon. Alors, nous avons un 8-9, un 8-3, un 9-2, un 9, un 8-9, un 8-9 et un 9-2. Voilà. Un temps de 2 minutes 30. Et on était deux animés là, c'est bien ? Oui, oui. C'est bien ? J'arrive. C'est la journée de la femme aujourd'hui, on pouvait pas s'empêcher, c'était plus fort que moi. Je suis désolé. Bonne journée des droits de la femme alors. Non mais j'ai craqué, je sais, pardon. Non mais... Mais c'est... C'est bien, mais on avait dit on se déguise pas. On avait dit on se déguise pas. Tu vois, on saoule tout le monde. Non ? T'es relou, quoi. La journée de la femme, quand même. Et voilà. Et tu penses... Et tu comme penses si on que avait jamais été en femme. Et tu penses que c'est avec du consensuel qu'on va se mettre le public dans la poche ? Ok, bah vas-y, envoie un autre calibreur, alors. Ok. C'est bon, ça. On avait dit non ? Ok. Non, mais en fait... Envoie l'autre calibreur, tant pis. Eh, tant pis pour les femmes, hein. Ok, sympa. Là ? Non mais, en fait, on avait un peu scénarisé le truc, on a bossé, vous voyez, on s'est dit non, on se déguise pas et tout, et au dernier moment, enfin moi je me sens un peu stupide, puisque lui il fait, et... Et voilà, et au final, moi, je me déguise pas, c'est... On est un peu schizophrène, vous savez, nous, ça nous fait du bien, on se lâche comme ça, ça nous permet de mieux assumer notre double personnalité. Je vois que la schizophrénie vous passionne pas plus que l'écologie. Donc, on va envoyer le deuxième pote de calibrage à France, s'il vous plaît. Répète le rituel, nous n'étions pas tous présents. Lorsque le conteur commence une histoire, il y a toujours un rituel. Il commence par te dire « Ziri !» Pour ceux qui n'étaient pas présents, « Ziri » signifie « histoire ». « Namu » est la réponse qui dit « oui ». Ensuite, le conteur dit « Nyatakada !» « Nyatakada » signifie « je m'en saisis pour te la conter ». Et à nouveau, l'auditoire lui répond « Namu ». Donc c'est très simple. On te parle dans une langue que tu ne comprends pas. Réponds à mou et tu verras, ça ira. On fait un test et on part. Ziri. Namu. Nyatakada. Namu. Kame. Quand mes jours sont confus, que je galère pour prendre le dessus, je chante une mélodie du pays, pays, pays. Quand l'espoir rétrécit, quand la distance et le temps qui nous séparent s'agrandissent, oh s'agrandissent. Je chante une mélodie du pays, pour la mère qui enfante une mélodie du pays. Pays, pays, en attendant le bonheur pour mieux supporter l'attente, s'il te plaît, chante une mélodie de ton pays, 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 pays. Tête dans les soucis, bouche répète, qu'est-ce qu'on fout ici? Le terrain est miné, à chacun son sosie. Ma people, c'est terminé, tout le monde descend du bus.
Tout le monde descend du bus. Quand je suis foncé, j'aime pas qu'on me brusque. En plus, je sais pas où aller mon ro. Pourquoi zigzaguer afro? La visière baissée. Comme un putain de faux zaguer dans ce bus. Je laisse tout le monde passer. De Nouakchott à Osaka, tant que la mélodie me berce, le sentiment d'exil ne te laisse pas le choix. Séquence lancée, appui play, balance-nous un petit couplet. Balance-nous un petit couplet. Je sens le battement de bite entre mes tempes, mes tympans tremblent. Ma douleur trempe et déteint comme une flamme qui s'éteint. Quand mes jours sont confus, que je galère pour prendre le dessus, je chante une mélodie du pays, pays. Quand l'espoir rétrécit, quand la distance et le temps qui nous séparent s'agrandissent, tu chantes une mélodie du pays, pays. Pour la mère qui enfante une mélodie du pays, en attendant le bonheur pour mieux supporter l'attente, s'il te plaît, chante une mélodie de ton pays. La mélodie de mon pays, c'est les moutons qui bêlent, les cars rapides et les poubelles. La mélodie de mon pays sous le soleil brûlant, c'est le boucan du marché. Un instant de calme en passant devant la cathédrale ou la mosquée. La mélodie de mon pays, c'est la nuit et ses bruits, le vent et la pluie. Elle résonne dans ma tête, gars, à chaque fois, je te le jure, à chaque fois que ma mère sourit. Quand tes jours sont confus, tu galères pour prendre le dessus, tu chantes une mélodie du pays. Quand l'espoir rétrécit, quand la distance et le temps qui nous séparent s'agrandissent, tu chantes une mélodie du pays. Pour cette mère qui enfante une mélodie du pays, en attendant la chante une mélodie du pays, et tout ce qui te fait chier chante une mélodie par-dessus. Je sais pas comment te le dire, on n'a jamais assez vécu. Afro, messieurs, dames, on peut l'applaudir très fort encore! Alors, attention, les jurés, on va vous demander d'être bien vifs. On va le faire traditionnellement. Attention pour le jury. On a un 9-2, on a un 9 tout rond, un deuxième 9 tout rond, un 9-3, un 9-5, un deuxième 9-5 et un 8-7. On peut applaudir le poète, s'il vous plaît. Et elles sont pas d'accord. Et comme c'est la finale, on va faire ça sérieusement. On va appeler un dernier poète de calibrage, un nouveau venu dans le tournoi francophone. Il est pas loin de chez nous. Je vous demande d'accueillir. Oui, c'est toi. Ange d'Orléans, s'il vous plaît. Et j'ai perdu mon acolyte, moi. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, Vince, tu peux venir accueillir Ange, ouais. Quand même. Ouais. Bah, quand même. Qu'est-ce qu'il y a? On est deux, normalement. Non, mais Seb, je veux pas, moi. Je veux pas rentrer là-dedans, là. Trop tard. Bonjour à tous. Bonjour. C'était pas vraiment prévu, du coup je me suis cassé la voix hier soir, mais bon, on va essayer de faire quelque chose de sérieux. Je vais vous raconter ma première soirée slam. Je me pose devant vous, et j'ai peur, je vous avoue. Mais à la fois je suis heureux, donc je prends mon temps, et je savoure. Je voulais écrire un texte lourd, un texte qui ait du sens, un texte qui vous fera revenir à la prochaine séance. Je me souviens de ma première soirée slam. On m'a dit « Ange, viens, il y a des soirées où on passe du rire aux larmes, où les mots sont rois, où les hommes respectent les femmes, où on répond avec de l'eau à celui qui parle avec des flammes. »
C'était comme voir des papillons battre des ailes. Il y avait des hommes beaux et de belles gazelles. Ils utilisaient les mots comme béquille ou comme attelle avec leur propre univers. Pas comme un tel ou un tel. Il y avait des poètes à la voix grave et des chanteuses à la voix de Léa Castel. À la fin de leur texte, tu rêves d'avoir une dédicace d'elles. Ce genre de femmes qui font même rougir les blacks quand ils se trouvent à côté d'elles. 3 minutes top chrono, toutes sortes de propos, du rappeur à l'homo, il y avait toutes les promos, ça venait même de Romo, mais zéro gros mot. Et pourtant, ça a envie d'aider tonneaux. Oui, j'ai vu cet homme qui se la met quasi sous. Le contraire de Picsou, il n'avait pas un sou. Il vivait dans la rue, on le prenait pour un fou. Vous voyez le pont là-bas? Ben, il vivait en dessous. Il est monté sur scène, j'en croyais pas mes yeux. Il était sale et vieux, mais brillait comme un dieu. Il nous a raconté que sa maison a pris feu et que sa femme est aux cieux, partie sans dire adieu. Le bar pourtant bruyant est devenu tout silencieux. Les gens qui se moquaient avaient à présent les larmes aux yeux. J'ai aussi vu cette gamine, à peine 18 ans, l'air un peu coquine, mais je me suis dit bon, rien de bien passionnant. Elle va nous parler de quoi? De sa meilleure copine? De son petit copain qui écrit à Pauline? Putain, il y a que 5 articles qu'on peut mettre en cabine. Ou de sa maman qui la saoule parce qu'elle est trop radine. Mais non, à 6 ans, elle se retrouva orpheline. Une mère accro au crack et à la cocaïne. Un père en prison pour business de farine et qui passait son temps à s'en foutre plein les narines. À 10 ans en foyer, de plus en plus fine. Puis dans la rue seule, elle frôla la famine. Elle était là, devant moi, et ne payait pas de mine, mais je l'ai vue autrement, moi, cette pauvre gamine. Et moi, ma première fois, je vais vous en dire 2 mots. Aujourd'hui, je parle à haute voix devant vous, je fais le beau. Je gesticule, j'articule, j'avance et je recule. À l'époque, j'étais cloué. Et je suais comme en période de canicule. Mes jambes tremblaient et je sais pas ce qui me faisait le plus peur. Entre le jugement des autres ou bien qu'ils sachent ce que j'ai sur le cœur. Mon ami Sadou a dit mon nom et j'ai voulu me cacher. Mais depuis le micro, ben, je l'ai plus jamais lâché. Il paraît que l'écriture a un caractère thérapeutique. Moi, adepte des terrains de foot, j'ai découvert ces terrains poétiques où il n'est pas question de fric ou de clic. Il est temps pour moi de lâcher le micro, messieurs et mesdames. Et j'espère que vous garderez en tête votre première soirée slam. Ange d'Orléans, on peut l'applaudir bien fort. Non mais faut savoir. Moi je me déguise, je me fais envoyer chier, il se déguise après. Non mais n'importe quoi. Oui, ok. Faut se mettre d'accord à mon bandolier, faut se mettre au point quoi. Je m'en fous, j'ai mis des lunettes, on me reconnaît pas. Bon, ok, on va pas perdre de temps avec ces conneries de déguisement, hein. Le jury, s'il vous plaît, pour la poésie orléanaise de Ange. Voilà. Voilà. Faut savoir, hein. On a un 9-8. On a un 9-8 encore. C'est tout ce que ça vous fait les 9-8? Bah punaise. Un autre 9-8. Encore un 9-8, un 9-3, un 9-3 et un 10. Bon, on va commencer pour de bon. Nous, faut peut-être qu'on se mette d'accord, déguisé, pas déguisé. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. C'est une finale, sérieusement, ce serait peut-être mieux quand même, non? Non, on va pas se déguiser. Bon. Non, ils veulent pas, de toute façon. Non, puis en plus, le public... Ok, alors, on va avoir le logiciel Helm qui va nous donner le nom du premier poète, si vous en rappelez. Nous, on s'en rappelle déjà plus. Arrêtez, vous êtes semblant. Oui, c'est l'alchimiste, on peut l'appeler bien fort. On dit que l'homme est un loup pour l'homme. Non, l'homme est un zombie pour le loup qu'est l'homme qui n'est plus un homme tel qu'on entend l'homme, mais un homme qui a su zombifier ce qu'il était encore. Tu as du mal à suivre? Normal, c'est hardcore, car ce texte est écrit par un homme ni loup ni zombie, mais lui-même fan de zombies, pas ce ancien homme se faisant mater par les loups, mais les morts revivants grâce à la magie vaudou. Et cette image du zombie avançant bêtement dans le but de se faire un gueuleton est la parfaite allégorie du mouton dans ce monde de consommation. Consommation, ou l'interpellation du con. En gros, il me suffit de siffler pour rameuter le zombie qui m'achètera ma mère de deux loups à crédit qu'il paiera toute sa vie et dont hériteront ses petits. Mais bon, ainsi va la vie du zombie. Ou la mort, enfin je doute.
Il a déjà été vivant et déjà été mort, et plutôt que de revivre, il décide de te rendre comme lui quand il te mord. À moins que ce soit la morsure du loup qui te rende toi aussi fou. Enfin, quand je dis un loup, je veux dire un homme qui n'est plus un homme tel qu'on entend l'homme, mais un homme qui a su zombifier ce qu'il était encore. Alors que faire? Tenter de survivre seul de son côté, quand de toutes parts, de zombies, je suis encerclé? Il serait pourtant simple de se laisser aller une petite morsure et tout serait terminé. Et je pourrais me laisser vivre ou mourir à consommer. Je m'achèterais un home cinéma, une nouvelle télé, LCD, LED, plasma ou carrément en 3D. Et je m'abonnerais à Téléloup, toutes les autres chaînes. Allons-y, soyons fous, je partirai au Club Med avec la Lufthansa. Au rugby, je soutiendrai le loup, mais un jour, j'aurai mal partout. Alors j'appellerai le docteur Clooney. What else? Qui me dira, vous avez mal où, je lui dirai de partout. En plus, je vois flou et j'achète de tout. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait courant. Je vous prête un CD et tout ira mieux avec le temps. Oh, un CD, c'est quoi? Garou. Matin, midi et soir. Garou, mais ça sonne comme loup-garou. Oui, des gens se font mordre un peu de partout. Ah, et je vais me transformer en loup? Non, aucune chance, vous êtes un zombie, vous avez déjà été mordu. Quoi? Mais non, aucun zombie ne m'a mordu. Non, pas par un zombie, par un loup. Enfin, quand je dis un loup, je veux dire un homme, qui n'est plus un homme tel qu'on entend l'homme, mais un homme qui a su zombifier ce qu'il était encore. Mais avec cette posologie, pas d'effet secondaire comme pour les médiators. De toute façon, mon ami, vous êtes déjà mort. Encore applaudir l'alchimiste, s'il vous plaît. Grande nouveauté, Bernardo parle. Voilà. Alors, en fait... C'est vrai. Mais d'abord, on va voir les notes de l'alchimiste. Mesdames et messieurs, à la 1, 2, 3. Alors, nous avons... Alors, essayez de mettre les notes. Voilà, merci. Nous avons un 9 tourons. Un 9,1. Un 9,9. Un 9,4. Un autre 9,4, un 9,5 et un autre 9,9. Ce qui nous fait un total de, je n'ai pas pu voir parce que... Merci d'animer à ma place. Le chrono est OK. Sinon, tu nous dirais un truc, hein. Merci beaucoup. Alors, on va enchaîner avec, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ta-ta-ta-ta, 1000! À force de jouer avec la lune, de l'arracher pour mon jardin, me faire de la poudre pour les bises et la mettre dans l'eau de mon bain, je la trouve plus. Mon voisin en a une, elle est au-dessus de chez lui. Il a voulu en temps de crise me la laisser à moitié pris. Je le soupçonne, il me l'a prise. Et puis... j'ai approché le bord du monde. J'ai dû me mettre à plat ventre. Je suis presque tombée entre la mort et la pluie féconde. J'ai dû me coucher ventre à terre. Et j'ai senti à bout de bras la rondeur du bord du monde. J'ai pensé me laisser glisser dans un dernier grand toboggan, mais je suis restée là.
le cœur battant, les gens, des flèches qui cherchent la chaleur ou le nord. Je les croyais simples traits dans l'espace, le feu et la mèche. Ce sont des soleils d'or. Ils passent. Vu du dessus, chacun est son propre toit. Vu du dessous, ce sont des cathédrales. Non, celles qui traînent en traître les femmes, ces folles et leur autonomie ancestrale, qui ont vendu leur âme à laver des pommes et laissé les guerres prendre les entrailles de nos hommes. Les gens sont des cathédrales, non pas celles qui brûlent les amants, mais celles qui jouent à tenir l'équilibre sur 1000 ans. Tiens, la lune, son reflet sur la mer, sa lumière dans mon œil, pure illusion. C'est pourtant le seuil pour toucher le soleil. Pour atteindre les étoiles, il n'y a qu'à les regarder. Ouais, ben, ça a ben de l'air. Ça a ben de l'air qu'il faudrait faire comme on peut. Donner sa vie à mâcher comme on fait des bulles. Si on manipule les cours d'eau, la mienne me pleut dedans, du fin fond de l'océan. Elle est rachetée par l'électricité. Elle est rachetée. On découvre l'élasticité de la matière pour l'exposer moitié prix. Elle est rachetée par l'électricité du cœur qui bosse pour une recette de baie acide et de ciment usagé. À cheval entre le ciel et l'infini, j'ai un ticket de caisse pour rentrer chez moi. Et mon café à l'odeur du pétrole. T'as de la buée dans les lunettes. Et un peu de terre de feuilles mortes sur l'épaule. Une étiquette qui se décolle. Viens, prends mon bras. Je t'amène au bord du monde. Si la bulle de ma vie part voyager en expansion, le souffle inconnu et chaud qui meut mon chewing-gum a l'air d'un océan au berceau. Qui va, qui vient. Mesdames et messieurs, 1000 s'il vous plaît. Alors, on va essayer de trouver une utilité à Bernardo. Par exemple, Bernardo, montre-leur comment tu fais quand tu fais Allah. Voilà. Et après, il compte, c'est ça? C'est ça, Bernardo. Alors, quand Bernardo il fait ça, vous faites Allah, Allah et Allah 3. Bah, c'est sûr qu'il y a plus évident qu'animer avec un muet. Mais il faut... Pas mal. Allez, on le fait, mais avec deux fois plus de punch. Allez. Balèze. On va peut-être tirer quelque chose, quand même. Alors, nous avons un 9,1. Un 9,3. Un 9 tout rond, un 8,9, un 8,5, un 9,2 et un 9,5. Bernardo me susurre à l'oreille que y a un temps de 3 minutes 3, donc tout va bien. Puisqu'ici, on a le droit à 3 minutes 24. Et on enchaîne avec Doudouchka, s'il vous plaît. Affaire numéro 14. Procès Rimbaud. Cher Arthur Rimbaud, bien que la critique salue unanimement la clairvoyance de vos illuminations poétiques, je vous informe de la médisance frénétique qu'il suscite chez le monde ophtalmique. Si vous avez su leurrer l'ensemble de l'institution littéraire qui vous érige en mentor, sachez que vous n'êtes pour nous qu'un infirme menteur qui a l'oreille fine, la langue bien pendue, mais la vue qui décline. Vous vous dites, voyant, on vous sait astigmate, pour parler clairement, le cristallin se rétracte, irritant les vaisseaux sanguins de votre cataracte, vous amenant à voir l'ivresse des bateaux, puis à en faire des caisses sur le pont Mirepabeau. Car oui, mon cher Arthur,
Vous avez la plume dure, mais la prunelle molle, et même, soyez-en sûr, la rétine qui se décolle. Quand je lis vos voyelles couleur de l'arc-en-ciel, je rêve de contrôler votre acuité visuelle, car vous ne voyez rien. Rien. Pas même les lettres noires de l'alphabet latin. Vous décrochez l'Oscar chez tous les opticiens. Même l'illustre Baudelaire, malvoyant légendaire qui changeait l'or en boue, ne vous arrive pas à la moitié du genou. Chez vous, l'or gelé boutonne vos paupières, infectant par ce biais tout le globe oculaire, ce qui vous condamnera, si vous persistez à ne rien faire, à passer bien plus qu'une saison en enfer. Car sachez-le, Arthur, ce malheureux trépas qui vous mène la vue dure se situe moins vers l'aine que vers cette boursouflure de manière ophtalmique. Mais vous créez votre douleur, préférant vos vers poétiques à nos vers correcteurs. Monsieur Rimbaud, autant vous le dire tout de suite, vous êtes, pour tous les ophtalmos, un des accès de l'orbite, qui rêvent en secret de devenir presbyte. Vous lorgnez sur le succès, fantasmez des recueils. Au fond, vous désirez nous mettre le doigt dans l'œil, sauf qu'on a l'iris vive, la lentille affusée, la cornée incisive face aux illuminés, aux satanés poètes qui refusent de porter nos si jolies lunettes. Nous, on voudrait que ce soit clair. Plus de flou artistique, la vue. C'est notre affaire, faut rester pragmatique, vous dérégler nos yeux. Mais cela nous dérange. Manquerait plus que la terre soit bleue comme une orange. Ce soir, on annonce la couleur, on lève le drapeau noir à queuse et notre humeur quand on voit votre gloire, contenez donc vos sens et remballez votre orgueil. C'est votre dernière chance. Après, ce sera le fond de l'œil. Vous aurez beau pleurer, avouez votre déficience, seule votre cécité pourra sauver ma science. Toutouchka ! Alors, pendant que les jurés du jury mettre une note, je vous rappelle qu'il y a aussi le prix du public, Le Mans. Donc on a dû vous remettre des petits bulletins de vote. N'oubliez pas, à la fin, on viendra vous voir. Vous devez cocher une case pour le slammer qui vous a, vous, public, le plus touché. Maintenant que j'ai parlé, que j'ai fait mon intéressant, parce que moi je peux parler, on va regarder l'homme muet. Attention, l'homme muet, mesdames. Nous avons... Tout le monde a levé la pancarte. Alors, nous avons un 9,1. Ouh. Un 9,2. Ouh. 9,3. Ah. 9,3. Ah. 9,4. Ah. 9,5. Ah. 9,9. Soit un total de 46,7. Et on enchaîne, messieurs, dames, avec Cartouche. Mars, jour des doigts de la femme. Moment propice pour une petite question. Pourquoi la femme est-elle si fascinée par le cheval? Oui, je sais d'avance que mon propos est quelque peu cavalier, mais il s'agit là de ne pas monter sur ces grands chevaux. Bien au contraire, il s'agit d'ouvrir grand ses œillères, car à trop être à cheval sur les principes, le risque est de prendre le mort aux dents. Alors, permettez-moi et répondez-moi, dites-moi pourquoi les femmes sont-elles si fascinées par les chevaux? Vous l'avez compris, cette question est un peu mon cheval de bataille. Et la réponse à cette imminente question ne dort pas sous le sabot d'un cheval. L'homme qui a murmuré ça à l'oreille d'un cheval de bois en a reçu des coups de pied. Quant à moi, cette question vient me hanter comme le fantôme d'un cavalier sans tête. Lorsque ce propos cavalier sans tête, lui aussi, a m'en donné une fièvre de... Fièvre qui me tord boyau, car quand je te vois en Amazon sur ton canasson, je me demande vraiment, mais que peux-tu trouver de si fascinant chez un bourrin ? Passe pour un cheval, mais toute une écurie, c'est trop. Ou alors, le cheval, c'est ta grande passion. Le cheval, c'est ton dada.
Mets-moi plutôt le pied à l'étrier. J'en ai assez de me battre les flancs à cause de ça, tu sais. À moi aussi, il m'arrive d'être jalouse comme une Andalouse quand tu leur souris dans ta robe couleur alezane. Cesse ce manège. Oublie le dressage. On part en balade, en promenade. Loin, très loin du mythe du cheval. 2, 3. 1, 2, 3. Allons plutôt danser. Montre-moi tous tes talents de cavalière et je ferai naître en toi ce désir de devenir monture. Et nous lâcherons la bride, nous partirons sans cravacher sur tous les champs et les chemins du monde, tels des chevaux sauvages. De nous deux, personne ne tiendra les rênes. Crois-moi bien, je ne serai pas cette caricature de beau prince charmant sur son beau cheval blanc qui te fera croire au bobard des contes de fées. Je ne voudrais pas que tu mises sur le mauvais... D'ailleurs, si tu cherches la vérité, j'ai mangé du cheval. Je n'ai fait qu'une bouchée de ce destrier, découpé façon boucherie, chevaline, et le prince en est fait un petit poney. Désormais, le doute n'est plus possible. Je suis ton favori, ton jeune poulain plein de promesses, et je deviendrai ce maître étalon pur sang, monté comme un crac. Je viendrai m'arnacher à ta croupe, épouserai ta cambrure comme un cheval en tempête, et ça sera enfin l'instant fatidique, la chevauchée des Valkyries. Ta 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 ta. Nous irons ruer dans les brancards, épuisés mais ravis. Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, les quatre fers à l'air. Il n'y a pas de bon cheval qui jamais ne bronche quand l'amour est à la fois saut d'obstacle et endurance. Et puisque quiconque veut aller loin doit ménager sa pauvre monture, permets-moi de passer du coq au vin et réponds-moi, faut-il être cheval pour porter cette culotte ? Oh, 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 oh ! L'alchimiste ! Cartouche, pardon. Excusez-moi, je suis honteux. Vous comprenez pourquoi on est masqué maintenant ? Cartouche, pardon. Alors ? Oui, c'est ça, ouais, non, mais. Ouais. Enfin bon, on fait ce qu'on peut. Alors ! Quand il s'excite comme ça, c'est qu'il veut que vous parliez plus fort, hein. Alors, nous avons un 8,8. Un 8,9. Un 9,1, un 9,2, un 9,5, un 9,6 et un 9,7. Soit un total de 46,3 pour Cartouche. Oui, c'est bon. J'avais compris. Oui, c'est bon. 3 minutes, 3 minutes, 1, 1, 28 centièmes. Tu te crois intéressant, Bernardo ? On accueille messieurs, dames, s'il vous plaît ! À Julos Bocarne et à Banksy. Attendre, un peu, beaucoup, passionnément. De mémoire de rose, on a déjà vu des marguerites mourir à la folie. Mais moi, pas du tout. Quand je meurs, j'aime prendre mon temps. Celui d'une attente insoutenable, à ne plus compter les grains de sable, mais les pétales fanés de mon bouquet de fleurs sur le sol brûlant et qui t'était destiné. Tu vois, moi, pour mesurer les siècles, je trouve le sablier obsolète. Je lui préfère le pétalier. Il fleure bon l'éternité, tu ne viendras plus. Je ne laisserai alors comme dernier soupir qu'une baudruche asthmatique, qu'on aurait vidé d'espoir, rempli de regrets, retourné à loisir et jeté en pâture, au fracas des bottes qui battent la mesure sur leur route bien tracée, bien dessinée. Une route sans le moindre grain de sable qui pourrait enrayer leur rouage bien huilé. Une route sans la moindre de mes feuilles mortes sur lesquelles elles pourraient glisser et qui amortissent tant le bruit de leurs pas saccadés. Faudrait pas perdre la mesure, toujours battre la cadence. C'est que ces bottes sont à l'heure atomique et l'implacable métronome qu'est la pulsation de l'atome qu'ils portent à leur poignet et qui
résonne dans leur caboche, leur confère l'impalpable arrogance de l'argueur militaire. Tu ne viendras plus, un pas devant l'autre, un pas devant l'autre. Grain de sable, pétale de rose, planteur de fables, semeur de prose. Il n'y a plus de temps pour un égreneur d'idées qui sait ô combien il est doux de prendre le temps de rêver. Il pleut des feuilles mortes, des fleurs s'étiolent, mais qui s'en inquiète ? Les bottes s'arrêtent, et les voilà en bloc, qui me font face, avec leurs fleurs au physique, elles ne fanent pas, tandis que les miennes, tandis que les miennes. Devant le regard froid du condamné, un peloton, ça se pelotonne pour avoir bien chaud, et puis ça exécute les ordres, et puis les hommes. Derrière moi, un mur, vierge de sentiments, puis devant eux, moi et à mes pieds, mon linceul aux mille fleurs, aux mille senteurs que bientôt je ne sentirai plus. Alors, avant que mes dernières larmes océans qui irriguent mes déconvenues ne s'assèchent vraiment, avant que le chant du cygne ne performe mes tympans au même titre que leurs balles à l'épreuve du sang, avant de tirer le rideau et de clore la séance, j'aurais cessé de t'attendre. Et les pétales fanés de mon bouquet de fleurs sur le sol brûlant et qui t'étaient destinés sonneront le glas de ce que moi j'ai attendu en vain, j'ai trop rêvé de toi, ô liberté et de mémoire de rose. Ça sera bien la première fois qu'on verra mourir un jardinier. Garde tout au fond de toi, un vide, un endroit derrière les fêtes, où poser la tête dans le vent du soir. Bercer ses vieux rêves, même s'il fait noir. Bercer ses vieux rêves, même s'il fait noir. Car de mémoire de rose, on a vu mourir un jardinier. Monsieur dame, sous vos applaudissements. Alors, attention, on regarde l'ami Bernardo. Alors, nous avons un 8,7, un 9,2, un 9,3, un 9,4, deux 9,7 et un 9,8. Ouais. 47,3. Et on enchaîne avec messieurs, dames, nous allons avoir attention, Tofnours. J'ai la tête ailleurs, le regard loin des yeux. Il n'est pas où il bat mon cœur, il est où il aime, et mieux, grand déserteur, il me sort par la bouche à certaines heures. Un oiseau pleure dans ma cage thoracique, ses larmes sont toxiques et me font me sentir vieux. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai oublié de perdre la mémoire et je me suis souvenu que j'étais amnésique. Alors, je ressuscite les angles morts, un dictionnaire sur le bout de la langue et sur le bout des doigts, des gifles boomerang, acquis de droit. Ma gueule, c'est ma croix. Des idées qui tourneront dans une tête au carré. Moi, je suis dans le cosmique de situation. Les plans sur la comète me font marrer. Une enveloppe charnelle timbrée, envoyée sans recommander ni recommandation, accusée de déception. Pardon! Les horloges sont dépassées, j'en ai eu l'intuition, alors je laisse le temps passer en regardant mes ongles pousser. L'estomac dans les talons, mes baskets mangent des kilomètres et le chemin est encore long sans Dieu ni maître. C'est une guerre intestine sous mes cheveux en bataille, c'est un front qui s'incline, un train-train qui déraille. Où que j'aille, j'ai la tête ailleurs, quelle pagaille à l'intérieur. J'habite des non-lieux et personne n'en fait le procès. Ne me reste que les yeux et des visions pour pleurer.
où que j'aille, j'ai la tête ailleurs. Quelle pagaille à l'intérieur. Je suis de la mauvaise graine, c'est vrai. Enterrez-moi, je repousserai. Je sème le trouble et je récolte un amour flou. Et j'en paie le double. Je suis un loup solitaire dans une meute de chiens. Rien n'est salutaire, mes doigts me claquent entre les mains. Qu'on me pardonne, endormi sur un trône, réveillé roi de rien. Les deux pieds sur terre, la terre en jachère, de l'air entre les oreilles, des chansons dans les artères. Moi, je me fais des pieds de nez pour péter plus haut que mon cul. Et je lâche des grosses caisses et des cymbales incongrues, des circuits dans la langue. Je me pars d'un masque oratoire, une fourmilière dans le ventre. Je n'ai pas d'autre échappatoire et les bras m'en tombent. Il nage le crawl à même le sol, une plaque vierge sur ma tombe. J'ai perdu le nord avec ma boussole. Et puis il y a ce sang qui bat dans mes tempes, qui entoure ma boîte à penser. Je me déplace en voyageur du présent, sans me presser, effacer le futur, disparu le passé. Mes rétroviseurs sont cassés. Va falloir que je pense à me recentrer. Que je pense. Je pense. Donc je suis. Je penche. Donc je fuis. J'étanche. Donc je suis. Je t'enclenche. Donc tu me suis. Et je dispense. Donc je t'ennuie. Tant pis. Moi, j'ai pas le sens du ridicule. J'ai le sens de la lutte. Moi, je tombe sous le sens. Le sens, il est là à peu près. Ça me fait une belle chute. Torse d'ours. Alors, pour la poésie de Torse d'ours. Alors, toc, 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 c'est bon. Nous avons un 9,4. Un 9,6. Deux 9,7. Un 9,8. Et deux 10. Quoi, Bernardo? Qu'est-ce que tu dis? Il a dépassé le temps? Oh là là, Bernardo! 3 minutes 34! Clac, clac! 0,5 en moins! Et la loi, c'est la loi! On enchaîne! Avec! Cocteau Molotov, s'il vous plaît! Des mots. Des mots qu'un poète a rassemblés pour les dire sur scène en assemblée, avec ou semblée à la clé. Juste des mots qui disent des mots. Parfois des mots sumo en plein surpoids quand le surmoi vient sur scène pour s'assumer. Ces mots sumo, ces mots semés, ces mots sumotamo semés sur les sommets, ce mot qui sumait mais des mots à perdre haleine, à peine perdu, perlant sur les lèvres. Des mots qui partent perdant, montent sur le ring de la tchatche et en ressortent gagnants. Des mots saignants d'une bouche ouverte, des mots que personne n'a enseignés. Mosaïque, de mots laïques, le mot est ma religion. Le mot est partout, des mots ici, des mots là, des mots énergie, des mots lents. Juste des mots d'émotion, des mots motivés, des mots triés sur le volet, des mots évités. On les a trop violés. Des mots qui se disent et qui dégagent. Juste des mots, juste quelques phrases. Des mots qui voyagent et qui voient loin. Des mots de tout âge, anciens ou bambins. Des mots de première fois jetés dans le grand bain. Il s'agit des mots qui coulent comme de l'eau. Il s'agit des mots qui coulent comme du sang. Il s'agit des mots globines, des mots ragis, des mots magie. Il s'agit de la magie des mots. Il s'agit de la magie de l'hémorragie. Il s'agit de la magie de l'hémorragie des mots. Il s'agit des mots qui s'agit dans la magie de l'hémorragie. Il s'agit de la démocratie.
J'aime quand les monarques, la moche démocratie des monarques, avec des mots, des milliers, des mots front fiers écrits sur le dos d'un humilié, des mots sans frontières, des mots amochés, des mots abîmés, des mots rimés, des mots accrocheurs, des mots accrachés, des mots qui ont leur hygiène, te lessivent et se lavent à la salive de tes poèmes, des mots démolis, des mots dans mon lit, des mielleux, des malins, des tapels ordi, des écrits à la main, des mots cassés, des mots classés, des mots chassés, des mots passés, des mots passants, des mots poussés, des mots toussés, des mots tus et bouche cousue de fil blanc. Je suis la vérité de l'instant qui à chaque mot ment. Il y a des mots d'aujourd'hui et des mots des qu'on jette au hasard, qui surgissent de nulle part et prennent naissance sur la scène d'un bar. Il y a des mots justes et il y a des mauvais. Parfois les mots rient, parfois les mots râlent pour te dire ce qui est bien ou mal. Tu peux lire des mots ou alors démolir. Tu peux dire un mot ou alors t'enfuir. Je suis le mot mobile, le mot inutile, la momie Mozart, le momie Mozart, le demi-mot morose du marmot Mirza. Il y a des mots qui te mordent et des mots qui t'endorment pour savoir ce que la mort fait. Il y a des mots qui ne valent pas un rond. C'est aussi là que le mot naît. Il y a le mot hétéro, les homos et le mot bi. Il y a le mot biteux, le mot bêta, le mot battu, le mot bâton, le mot bateau. Et malheureusement, il y a eu le mot boutou. Il y a les mots litanie, dit par un griot de Mauritanie. Il y a le mollesque, tire le molosse. Il y a les momies à toutes les sauces. Mots de tête, mots de ventre ou mots cœur, mots complices ou moquerie, mots qui pleurent, mots qui rient. Les mots yes, les mots no, les mots beaux, les mots laids, les mots lianes et les molières. Je veux que les mots disent tout, mais j'attends qu'ils le fassent avec modestie. Il y a les mots d'estime pour des beaux destins, car quand les mots dessinent, ça claque et laisse des traces comme des mocassins. Il y a le mot mer, le mot mur, le mot mar, et le dernier des mots ican, le mot mort, qui est, comme chacun sait, le mot de la fin. Merci. Cocteau Molotov. Ça va, le Mans ? Pardon, excusez-moi de vous déranger. Ça va, le Mans ? Ok. Alors. Alors, nous avons... Touk, 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 merci. Alors, nous avons un 8,8. Je montre du doigt. Un 9, un 9,2, un 9,5, un autre 9,5, un 9,6, est-ce que... Et un 10, voilà, c'est ça. Soit un total de... Toc, 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 46,8 pour Cocteau Molotov de Lyon. Et nous allons maintenant enchaîner... Le chrono, ça va, avec Kiki F, s'il vous plaît. Allez, allez, du bruit. Gros papa Billy avait tout ce qu'un homme pouvait rêver d'avoir. Petite villa sur les hauteurs avec visu sur la mer, terrain de squash, serviteur, piscine à bulles, hélicoptère. Il avait, pour parfaire son bonheur, fait installer tout au long de l'allée qui menait de l'entrée du domaine jusqu'à la porte de sa demeure une série de statues grecques ou romaines des demi-dieux en plein labeur, sa préférée, celle qui lui donnait comme un pincement au cœur à chaque fois qu'il passait devant, représentait Hercule se tenant vainqueur sur le lion de Némée étouffant, lui rappelait comment, pour en arriver là, dans cette longue existence mêlée de négoces et de combats, il n'avait finalement compté que sur la seule force de ses bras. Des enfants, il en avait eu 3, à présent tous divinement placés. L'un était médecin, l'autre enseignant, le troisième bossait à ses côtés. À vrai dire, il n'avait eu de souci qu'avec le second, qui à une certaine occasion avait failli choisir la voie des histrions, poète, troubadour, autre misérable, crève la faim. Mais Billy lui avait fait entendre raison, d'autant qu'il coupait les fonds si l'on ne suivait pas son chemin. À la fin, tout était lisse, brillant, parfait. Comme cette photo fétiche sur le chambranle de la cheminée, celle qu'à la famille et aux amis tous les ans on envoyait. Billy, son clan à lui, même les anges devaient en rêver. C'était Noël et la famille s'était réunie autour de la grande table paternelle. Le père, la mère, les enfants, leur moitié et les petits-enfants qui tous commençaient doucement à pousser parmi ces derniers.
Le plus jeune, qui s'appelait Nathan, fixait son grand-père d'un étrange regard entêtant. Il était bizarre, cet enfant, jamais à jouer ni à courir comme les autres garçons de son âge, toujours à contempler, et ça, Billy savait le don de le mettre en rage. Peut-être aussi parce que c'était le fils du second, il cherchait désespérément une occasion de le remettre à sa place, mais le petit lui faisait front, fixant ses yeux comme s'il était de glace. De grâce, on annonça le dessert, les femmes s'éclipsèrent, et c'est alors qu'on s'aperçut que le petit Nathan avait disparu. Chacun s'affaira à le chercher dans toutes les pièces de la maison. Billy lui en profita pour se fumer une cigarette sur le perron. La nuit était belle, les étoiles scintillaient, surtout celles qui, au ciel, dans la piscine, se reflétaient, dressées à côté d'elle, dans le halo scintillant de la lune. Hercule, l'Éternel, défiait les anges et leurs vertus. Billy était bien, content, mais soudain s'aperçut qu'un petit point blanc brillait sur la statue. C'était l'enfant qui s'était hissé jusque-là et maintenant le fixait, la gorge d'Hercule entre les doigts. Billy allait crier, mais quelque chose le retint. Il avait eu une autre idée, s'approche lentement du bassin, le rejoint, en fait le tour et s'arrête là, de l'autre côté de l'eau, juste en face de la statue où était perché le marmot. Alors, pour la première fois de sa vie, Billy sourit à l'enfant. L'enfant sourit aussi. Billy ouvre les bras. L'enfant hésite, ne comprend pas. Billy fait donc un nouveau pas. L'enfant répond, ouvre les bras. Frissons dans les airs, petite ombre qui vacille, le dieu qui se libère, les ondes s'éparpillant, gouttelettes dorées sur les bords lovés de la piscine, le temps d'un mégot envolé. Les eaux se sont reposées, Billy retourne dans la cuisine. Du kiosque ! Du kiosque, mesdames, messieurs. Alors, c'est bon, vous vous calmez, oui. Allez, nous avons un 9 tout rond. Là, un 9,2. Là, un 9,3. Là-bas, un 9,4, un 9,5, un 9,8 et un 10. Aïe, 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 aïe. Comment, Bernardo? Il a dépassé le chrono. Ah oui, Bernardo. 3 minutes 50. Alors, 3,34, une tranche. 3,44, deux tranches. Eh ouais, ça fait 3 tranches, donc 1,5 point. Hein. Ouais. Aïe, 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 aïe. Donc, soit un total. Oui, on applaudit le poète. Hein. Soit un total de... Toc, 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 toc. Ah non, le total est passé. Ça a été trop vite. Voilà. Hypnova, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à te dessiner. Je viens de dessiner tes yeux. Pourtant, j'avais bien commencé, mais ton regard me brise en deux. Je ne peux pas faire ton nez. Je rêve qu'il respire dans mon cou. Ni tes lèvres, je pense au baiser qui me mettait à genoux. Je ne peux pas faire ton cou. Je rêve de croquer ta nuque. Je ne peux croquer ta joue. Soit tu m'enchantes, soit t'as un truc. Le temps passe, ça me rend fou. Plus je te dessine, plus je t'efface. Mes crayons en viennent tabous et mes gommes deviennent plates.
Vers ton dessin, je ne pensais pas que c'était si difficile. On peut pas dire, je te connais pas, je crois que je sais combien tu as de cils, je m'accroche à ce dessin. Ça fait un bail que tu es parti. Tu m'as parlé, ça c'est certain, mais je crois que je n'ai pas tout compris. J'ai vu en tes yeux un univers. Se créait-elle une supernova? Un Big Bang d'antimatière, car ça ne se palpait pas. J'étais dans une autre planisphère, devant toi, mais bien au-delà. Dans le monde des rêves éphémères, là où de revenir on ne veut pas. J'ai bien essayé de te le dire, mais les mots disaient autre chose. Comme si la langue de ce lieu ne pouvait être traduite. Mais pourquoi sortir de tes yeux, là où je me sentais en osmose? Pour quelles raisons ces moments heureux ne peuvent pas s'écouler vite? Je n'arrive pas à te dessiner, car j'ai encore envie de toi. Et ma main, elle fait trembler mon crayon au bout de mes doigts. Je vais pas te faire un dessin. C'est pas pour rien que je te dessine. Et si je ne peux dessiner tes seins, c'est bien parce que je les imagine entre mes mains qui les caressent, ma langue qui les taquine. Voilà pourquoi je manque d'adresse. Voilà pourquoi j'use mes mines. Je suis miné, je me sens minable. C'est encore pire qu'une feuille blanche. C'est comme lutter avec le diable. Plus je respire, plus je vois tes hanches. Un vrai cauchemar, un grand malheur de ne plus avoir d'inspiration. Le seul pouvoir d'un dessinateur qui arrive à expiration. Alors je froisse du papier pour essayer de conjurer le sort. Mais la poisse s'est installée et à part toi, y a rien qui sort. J'ai envie de dessiner ton sexe, tellement le mien il me fait mal. Envie d'entrer dans son vortex et aimer son parfum fatal. Mais ce dessin est trop complexe et moi, je ne suis pas de taille. Nous deux, on ne restera que des ex. Même si mes crayons, je les taille, j'ai la taillure jusqu'au genou. Et du papier jusqu'à la taille. Je pourrais m'en foutre jusqu'au cou, mais c'est fini. Maintenant, je me taille, je crois. J'ai usé tous mes crayons, déchiré toutes mes feuilles. Faudra que j'arrête mes illusions, car les fleurs pleurent quand on les cueille. Ou deux, j'ai trouvé ça bon, mais là, je te le dis sans aucune larme à l'œil. Mais avec le dernier bout de mon crayon, ça y est, maintenant, je fais mon deuil. Allez Bernardo, fais ton intéressant. Ils sont un peu mous, je trouve, Bernardo. Nous avons, alors, toc, un 8,9. Là, un 9,1. Un 9,2. Un 9,6. Un 9,9. Et 2,10. Tout va bien au chronomètre, 2,55 et un total de 47,8 pour Hypnova. Trac, tac, 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 on enchaîne. Sous vos applaudissements, j'allège, s'il vous plaît. Père Imam. Père Imam. Tout petit, on m'a appris deux choses. Dire ça va même quand c'est le contraire et sourire même les moments de pleurs. Aujourd'hui, il est difficile de remarquer sur mon visage un point de regret ou un signe de remords. Parce que d'apparence, je suis comme toi, certainement différent des autres. Mais quand arrive Halloween, j'ai pitié pour ceux qui se déguisent à moi. Parce que de forme, je suis comme eux, mais de fond, je suis un monstre. Père, j'ai orchestré des affrontements violents et sanglants. Monter des forts d'esprit contre des faibles d'avis. De mes paroles hypocrites et calomnieuses, je buste le Turc en 1915 contre l'Arménien. Armer le musulman de détermination et le chrétien de conviction. Animer le Hutu de violence et le Tutsi de peur. Inciter les jeunes à combattre comme des djihadistes. De mon pouvoir, j'ai monté de toutes pièces les Boko Haram. Ordonner des enlèvements et des attentats terroristes. Brûler des villages, malmener femmes et enfants. Père,
Je suis le responsable de ce conflit arabo-juive et israélo-palestinien parce que j'ai aidé les sionistes dans l'évasion du Palestine, financé les achats de terres, repoussé les faibles et pauvres palestiniens hors les frontières. J'ai combattu pour les Britanniques parce que j'ai cru à la déclaration Balfour. Je suis le responsable signateur de l'alliance nazi qui engendre le nazi. Père, j'ai péché. Je ne dors plus les nuits et ça devient une continuité. Comme sur un écran, je vois défiler mon passé, mes gestes arrogants et discours génocidaires. Père, j'ai péché et je ne dors plus les nuits et ça devient une continuité. Oh, oh, oh. Jonel. Magnifique. Nous avons... Ok, un 9. Nous avons 2 9,3. Nous avons un 9,4. Un 9,5. Un 9,6. Et un 9,7. On applaudit le poète avec un total de... 47,1. Et le prochain candidat sera Rock Grog. Un vieux pirate fourbu, par une vie d'abordage, décida l'âge venu de s'ancrer au rivage. Il avait de longue date dilapidé son or, en femme et en picrate, dans presque tous les ports. Les derniers souvenirs de ses crapuleuses rentes n'avaient pu lui offrir qu'une masure croulante. Dans le proche village, le soir au cabaret, il disait ses voyages aux badauds effarés. Toutes les îles des Antilles et les sept horizons, les pièces d'or qui scintillent sur le pont d'un galion et la sueur et le sang que perdirent et versèrent. Couteau entre les dents, tous ces gueux de la mer battant pavillon noir lorsqu'ils fendaient l'écume. Fier à bras, fier à boire, gentils hommes de fortune. À ces gens près de l'âtre, pour qui la grande bleue n'était qu'un pré grisâtre, il mettait dans les yeux de violents coloris, leur servant son bagout contre une pièce d'un penny et un méchant ragoût. Parfois, lorsque le vent sanglotait dans la nuit, il chantait, reprenant un air des jours enfuis. À moi Forban, que m'importe la gloire, les lois du monde et qu'importe la mort. Sur l'océan j'ai planté ma victoire et bois mon vin dans une coupe d'or. Vivre d'orgie est ma seule espérance, le seul bonheur que j'ai su conquérir. Si sur les flots j'ai passé mon enfance, c'est sur les flots qu'un Forban doit mourir. Un jour de ciel mauvais qu'il ramassait des branches pour se faire une flambée et réchauffer ses hanches craquant de courbatures. Pourquoi ai-je mis fin à toutes mes aventures, se disait-il chagrin. J'aurais eu une vie brève, mais tout au moins joyeuse. Il vaut mieux que je crève cette vieillesse, cette hideuse. Il appela la mort. Le croiriez-vous, elle vint, drapée d'un triste sort, voûtée sous le crachin. « Tu me demandes, bonhomme, » fit-elle sépulcral, à lui qui déjà comme un cadavre était pâle, assez maupris de peur, il regrette à son vœu. « J'ai sans doute fait erreur, ne me sens pas si vieux, mais puisque tu es là, prête-moi donc les os qui te tiennent mieux de bras pour porter mon fagot. » Ce n'est pas tous les jours qu'on vexe la Camarde. Dans ses sombres atours, elle fit bien, camarade. Je fais grâce du trépas à ta carcasse rouillée. Tu t'es moqué de moi, tu ne mourras jamais. Ta langue est bien pendue, pour toi pas d'enterrement. Comme un vieillard chenu, vis donc éternellement. Depuis cette rencontre, il en fut donc ainsi. C'est ce que l'on raconte. Il erre sans but précis. Vous croiserez peut-être ce pirate l'âme en peine si vous traînez vos guêtres dans une de ces tavernes qu'on trouve dans tous les ports. En ces heures qui s'égrènent, on peut l'entendre encore chanter une vieille rengaine. À moi Forban, que m'importe la gloire, les lois du monde et qu'importe la mort. Sur l'océan, j'ai planté ma victoire et bois mon vin dans une coupe d'or. Vivre d'orgie est ma seule espérance, le seul bonheur que j'ai su conquérir. Si sur les flots j'ai passé mon enfance, c'est sur les flots qu'un Forban doit mourir.
Merci. Drogue, messieurs, dames! Alors, nous avons... Alors, nous avons un 9,1. Un autre 9,1. Un 9,2. Un 9,6. Un 9,7. Un autre 9,7. Et un 9,8. On applaudit le poète. Le chronomètre va bien. 3 minutes 05. Et un total de 47,3 pour Grog. Et nous allons garder vos applaudissements pour Jean-Maxime du Québec! Ingénieur de carré de sable, très jeune, j'ai compris les trous, les angles, les tuyaux, le sens de la vie qui coule d'ouest en est dans un oléoduc transcanadien. J'ai tout appris. La géophysique, la thermodynamique des fluides et des gaz, les trous, les angles, les tuyaux. Je suis un naturel, un talent brut. Je sais mettre à l'équerre l'horizon pour y suspendre le temps, arrêter le progrès, afin qu'il représente l'intérêt de mes maîtres, celui de la nation canadienne. Et c'est ce savoir-faire qui m'a valu un métier d'avenir qui m'a mené à tes eaux claires, chanceuse. Me voici fossile dans ton lit, que je détournerai en 2-3 tremblements pour que tu te réveilles, pour que l'on s'emboîte le trou, l'angle, le tuyau, presque sans faire exprès, en s'ouvrant les yeux en disant « Bon matin, il faut pas dire ça, c'est un anglicisme. Good morning, sunshine. » Joueur comme un beluga, je me trémousse en tes berges, cependant que la lune s'absconde, cependant que roule le monde pour défroisser les vagues. Écoute, c'est beau ce que je dis. Es-tu surprise que je sache voir la beauté des choses? Je ne suis pas insensible. On me prête de vilaines intentions. On m'appelle cochon de mer. Je ne suis pas de ceux qui forent pour le fric. Moi, je fors pour me rappeler les formes immaculées. Viens, que je me moule à ta plastique. Je me déverse, je m'excuse. Je m'excuse, je me déverse. Je vais contribuer aux efforts de nettoyage. Je m'excuse, je me déverse encore. N'aie pas peur, n'aie pas peur. J'ai mis au point une technique nouvelle pour colmater la brèche. Regarde d'un autre angle pour ne plus voir le trou dans le tuyau. Je fuis, je fuis, je fuis par en avant. Je ne me rattraperai plus, je suis déjà parti. Goodbye, bel amour. Je t'envoie la main par le rétroviseur de mon bessic à gaz. Aujourd'hui, je prends la route touristique. Je vrombis, je pétarade. Je te laisse mon écho pour te consoler. Jean-Maxime! Alors, avant de lancer les notes, je crois que Jean-Maxime, si je ne m'abuse, c'est le dernier candidat à passer.
Donc on va avoir la petite pause tout à l'heure. Je voulais déjà refaire un premier merci parce que vu que l'événement se développe et que devient on a de plus en plus de gens à remercier. Et je voulais remercier déjà un de nos partenaires là qui nous a prêté ces deux déguisements, l'Arlequin. Donc j'aimerais qu'on fasse un petit peu d'applaudissements. Voilà. Pour lui donner un petit peu de courage aussi à Maras, parce que Maras, il est en train de taper les notes depuis tout à l'heure, là. Il a de la chance, il est assis. Par contre, il y en a un qui est debout et qu'on peut applaudir aussi, c'est Biscotte. Bravo, bravo, bravo. On va passer aux notes de Jean-Maxime. Jury, à la... Alors, nous avons... Tracapa. Nous avons un 9. Un 9,4. Un 9,6. Deux 9,7. Un 9,8. Et un 10 de kamikaze. Soit un total de 48,2 pour Jean-Maxime. Alors, on fait un petit récap score, c'est ça ? Alors, voilà. Donc, 1,5 en moins pour Torsounours, c'est ça ? Non, 0,5. Voilà. On a cassé l'ambiance là. Oh la vache. Mais c'était super. Bon, comment rattraper ça? Bon, déjà je vais vous proposer d'aller boire un coup, de fumer une petite cigarette, pour ceux qui le font évidemment. On se retrouve dans 20 minutes. Grand max, un quart d'heure, 10 minutes. Oh là là, Bernardo, qu'est-ce que tu es dur, Bernardo. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de nos aventures.